À Hong Kong, il y a le Western Market. Et le Western Market mélange des insectes, des trucs bizarres, des œufs de santon. Donc voilà, je montre des amis, je vais aller à Magali, et puis j'espère que je vais avoir un bon repas. Alors en fait, on n'a pas trouvé les trucs. C'est bizarre, hein. C'était fermé. Alors le truc le plus bizarre qu'on ait trouvé, c'est un resto anglais qui s'appelle le Yorkshire Pudding. Voilà. Désolé. Oh, c'est... Mais c'est horrible! Ah, il y a même du parmesan! Donc là, on est sur. Là, on est sur des langues de canard, avec le bec apparemment. Ah, et là, on a les langues de canard, mais moins cuites. Mais sans le bec! Voilà. Donc voilà, ça, c'est les langues de canard. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Allez. Donc hier on n'a pas trouvé les œufs de santon, les trucs bizarres à manger, mais on lâche pas prise. Et on a trouvé dans un quartier, je sais même pas où est-ce qu'on est, mais bon, des œufs de santon. Ta 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 ta. Donc on va manger les œufs de santon. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ça va. Allez, c'est bon. Après une bonne soirée, c'est bon les œufs de santon, c'est bon, David? Ça, c'est surtout après la soirée. Ça a goût, ça mélange d'œufs et des roquefort. C'est pas mauvais, moi. C'est le premier que j'avale ce matin. Hein. Non, mais moi, putain. Oh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais le petit déj, je ne conseille pas de le faire avec ça quand même. Bon, merci.